Bon, ben c'est parti pour ce dimanche d'aménagement. Je m'y prends un peu tardivement, mais bon, comme beaucoup de fois en ce moment, c'est pas grave, c'est le début de l'après-midi. Donc je rejoins le fourgon et je vais aller me mettre probablement sur le parking par là-bas pour être au calme et pouvoir décharger et faire un petit coup de propre dans le fourgon. Donc voilà le bébé. Après, côté météo, on n'est pas trop mal. Pas très beau, mais il fait pas froid, il fait 12-13 degrés, et puis il a pas l'air de vouloir pleuvoir aujourd'hui. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour essayer de voir si je peux rajouter le deuxième panneau solaire là-haut. Enfin voilà, je vais voir ça, puis je vais essayer de voir aussi la finalisation de l'isolation des murs avec le polyuréthane, voir comment la mousse a donné, et puis aussi comment je vais faire pour le bas. Voilà, allez, let's go dans le fourgon. Allez, me voilà dans le fourgon. Il fait meilleur dans le fourgon que dehors. Donc je vais aller vérifier mon impression. Il fait 12-13 degrés dehors. Et ouais, effectivement, dans le fourgon, on est à 16 degrés. Donc impressionnant. Impressionnant là maintenant en hiver. Maintenant, il faudra voir en été ce que ça donne. Parce que ben, s'il fait plus chaud dedans que dehors, j'espère que ça va pas être la fournaise dans l'été. En tout cas, c'est agréable, 16 degrés, sans chauffer. Et puis ben là, il va falloir que je nettoie un peu les passages de mousse de polyuréthane qui sont sortis. Le coin de la fenêtre a l'air pas trop mal. Ça a l'air pas mal. Donc je pense que c'est une solution qui est pas mal, ça. Enfin bon, je vais vérifier l'humidité, etc. pour voir si tout va bien. Voilà, pour le moment. Allez, première partie du job terminée. J'ai vidé le fourgon. J'ai passé un bon coup de balayette pour enlever toutes les poussières suite aux découpes de polyuréthane. Donc voilà, tout est vidé, tout est à l'extérieur. Comme il ne pleut pas aujourd'hui, ben je peux me permettre de faire ça. Il ne fait pas trop froid, donc ça va. Voilà, toutes les chutes de matériaux qui me restent. Et puis ben, du coup, je vais passer au nettoyage, ajustement de la mousse que j'ai passée dans les longerons. Et puis après, on va voir si je suis assez motivé. J'hésite entre le panneau solaire ou le nettoyage, réajustement de la cabine avec éventuellement le ciel de toit ou la capucine. Enfin bref, quelques petites tâches. Mais là, dans l'immédiat, c'est essayer de faire ces mousses et voir même peut-être trouver une solution pour en dessous. Allez, c'est parti pour ce nouveau dimanche d'aménagement.